Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi soir pour vous parler du livre que je viens de finir, The Woman in the Purple Skirt. Voilà, une minute de silence pour mon accent, s'il vous plaît. Alors, c'est un livre que j'avais acheté à la librairie Shakespeare & Co. à Paris. Je vous avais dit dans la vidéo précédente ou celle d'avant que franchement, je trouvais que ça valait le coup financièrement, cette librairie. Parce que là, le livre était vraiment pas cher et je pense que je l'aurais eu plus cher en le commandant ailleurs, étrangement. Alors, c'est un livre écrit par une autrice japonaise. J'avais envie de quelque chose qui soit assez dans le style you, vous voyez, un peu stalker. Et du coup, j'étais tombée dessus et ça avait l'air d'être quelque chose comme ça. Donc, je l'ai acheté. Alors, oui, salé, mais franchement, je suis un peu passée à côté. Après, c'est peut-être parce que c'est écrit en anglais et du coup, voilà, je peux peut-être pas cerner toute l'attention parce que c'est pas ma langue maternelle, simplement. Après, moi, je trouvais ça quand même accessible, donc je sais pas trop. C'est peut-être aussi parce que j'ai un peu de mal avec la littérature japonaise. Enfin, franchement, c'est rare que j'accroche. Donc voilà, franchement, je sais pas. Mais ouais, je suis un peu passée à côté. Pour autant, on était vraiment dans le style stalker, quoi. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui suit donc cette femme. Cette femme qui va se débrouiller pour que cette femme travaille avec lui, avec elle. Et qui va un peu, voilà, l'épier, essayer de savoir un peu ce que les gens pensent, etc. Sans pour autant se confronter en fait à elle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, elle l'épie. Elle est dans l'ombre. Ils se croisent, mais voilà, le personnage manifeste pas son intérêt en fait pour cette personne. Plus que ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez plat en fait. Enfin, c'est un gros rebondissement. Je trouvais que la tension, en fait, enfin, qu'il n'y avait pas de tension en fait. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de descriptions de ce que le personnage faisait, de ses habitudes, beaucoup de « Ah, aujourd'hui elle a pris le train de 8h22 plutôt que le train de 8h02 comme elle le fait d'habitude, mais où est-elle passée tout ce temps, nanani, nanana. J'ai surpris une conversation, les collègues de boulot parlaient d'elle en disant que si, en disant que ça. » Ça donne aussi un petit côté, ça raconte aussi un peu l'entreprise dans laquelle ils travaillent tous les deux. Une ambiance qui est un peu malsaine, dans le sens où au début les collègues sont tous un peu admiratifs, vont la brosser dans le sens du poil, et finalement après ils vont la critiquer par derrière, nanani nanana. Voilà, enfin, franchement ça m'a pas enthousiasmée, ça m'a pas waouh quoi, enfin, j'étais assez... Ouais, ok, quand est-ce que ça décolle, quand est-ce qu'il y a une vraie tension, quand est-ce que voilà, on se demande ce qui va se passer, etc. Enfin, là en fait, à aucun moment, même dans la lecture, je me suis dit, ah, j'ai trop hâte de la confrontation, etc. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça assez, assez plat, donc voilà, je sais pas, peut-être que je suis passée à côté. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous l'avez lu. Pourtant, il y avait, des petits commentaires de Leïla Slimani, dont j'adore l'écriture. Et de Paula Hawkins, dont j'avais adoré le livre La fille du train, si je me souviens bien, qui là pour le coup était aussi un peu dans le stalkage, quoi. Elles ont laissé des commentaires qui étaient assez bons, etc. Donc trop plat à mon goût. On ressent pas assez le côté vraiment. Obsession, je prends des risques, nanani nanana quoi. On est vraiment, vraiment dans l'ombre. Enfin, en fait, on suit le personnage qui est vraiment dans l'ombre tout le temps quoi. Donc, peut-être s'il y avait eu une confrontation, s'il y avait eu plus de risques du personnage, même dans son propre délire, hein, je sais pas, en allant épier la famille de cette personne ou en essayant de la stalker. Je sais pas, sur internet ou dans son appart ou quelque chose comme ça, peut-être que voilà, là il y a eu davantage de tension à mon goût. Je sais pas trop. Mais bon, tout ça pour vous dire que je suis un peu passée à côté, malheureusement. Voilà, je sais pas trop avec quoi je vais enchaîner, je vais essayer de voir ça ce soir et puis je vous ferai un petit topo. Voilà, je vous dis à bientôt. Hello, j'aimerais vous dire que ce mardi, je passe ma soirée chez moi à bouquiner avec un livre. Mais non, puisqu'il y a
des grèves de SNCF. Et du coup, mon train de demain est supprimé. Donc je me suis retrouvée à sauter dans le premier train après être allée au travail, sans repasser chez moi, sans avoir eu le temps de prendre un livre. Et évidemment, le relais de la gare était fermé. Je me retrouve donc sans livre, dans le train. Bon, ça va, demain matin, j'aurai le temps d'en acheter un avant de le reprendre. Mais voilà, les aléas de la vie, on adore. Je vous dis à demain pour de meilleures nouvelles. Hello, on est mercredi matin et je me dépêchais d'acheter un livre pour pas me retrouver à sec dans le train et dans le RER. C'est parti. Je vous montre rapidement les deux livres que j'ai pris, donc Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui est un grand classique de la littérature féministe et que je n'ai toujours pas lu, et Conversation entre amis de Sally Rooney. Oh my god, je viens de lâcher mon petit accent pour le nom de famille de cette autrice, waouh, qui a aussi écrit Normal People. Et voilà, enfin, ces deux livres qui apparemment étaient des grands coups de cœur pour beaucoup, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Voilà, à voir. J'ai bien aimé la couverture qui est ultra pop. Donc voilà. Je vous dis quoi très vite. Hello, je vous retrouve en ce samedi matin, comme vous pouvez le voir à mes cernes, digne de Valérie Giscard d'Estaing, que la semaine a été voilà, un peu fatigante, mais bon. Je voulais revenir avec vous sur la soirée organisée par les arènes et par l'iconoclaste pour la sortie de leur collection de livres de poche qui s'appelle Proche. C'était hyper sympa, j'ai croisé vraiment plein de gens. Alors des gens que j'avais déjà vus une fois, par exemple Flow and Books. J'ai aussi vu Marie Trouble Bibliomane, que j'avais déjà croisée à deux ou trois reprises. J'ai aussi rencontré Julie, alors je crois que c'est Julie Bouquine ou Julie et ses lectures, je vous mettrai son nom en fait en barre d'infos. Et j'ai retrouvé aussi Laura du Conte Mon Baratin, qui est également présente à cette soirée. Et aussi, bien sûr, Louise de l'Ivresse de lire des livres. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je croise maintenant régulièrement. On essaie toujours de se prendre un petit temps en duo pour refaire le monde, discuter... J'allais dire littérature, mais finalement presque tout sauf littérature au bout avec un verre de vin. Bon, voilà, notre petit rituel. J'ai également croisé Elisa Cab, que j'avais déjà rencontrée la semaine d'avant. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un peu toutes ces têtes, de pouvoir parler en vrai, de savoir un peu ce que les autres lisent en ce moment, ce qu'ils ont aimé, leur récent coup de cœur, tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Alors, donc, je voulais refaire un point sur les premiers livres qui vont sortir de cette collection, qui nous ont été offerts dans ce magnifique petit sac avec une poche pour glisser un livre de poche, histoire qu'il reste proche de nous. Voilà, j'ai tout donné sur cette métaphore. Donc, alors, en fait, ils ont expliqué qu'ils allaient faire des sorties, pas forcément chronologiques. C'est-à-dire les derniers livres publiés chez eux ne seront pas forcément ceux qu'on va retrouver en poche en même temps, mais thématiques. Voilà, c'est un peu plus leur idée. Donc, alors, les premiers livres qui vont sortir le 18 août sont... J'ai l'impression d'annoncer des nommés aux Oscars. Bref, ils sont donc... nous avons Kérosène d'Adeline Dieudonné, qui était également présente à cette soirée. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'aborder, elle était toujours en train de discuter avec quelqu'un. Donc voilà, je voulais pas la déranger non plus. Alors, moi j'avais lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné, que j'avais beaucoup aimée.
Et Kérosène, j'avoue, je ne l'avais pas encore lu. Donc bah là, en poche, parfait, je vais pouvoir le glisser dans mon sac et le lire à l'occasion. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu, s'il est bien, si vous aviez lu son précédent. Hop. Alors, nous avons aussi un livre dont je n'avais jamais entendu parler chez Manu, qui s'appelle L'Intranquille de Gérard Garouste. Voilà, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou. Je ne sais pas qui est-ce. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je vous lis une partie du résumé. Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens des juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette duperie que fut mon éducation. À 28 ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. L'enfance et la folie sont à mes trousses. Longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je ne suis pas un sage, je ne suis pas guéri, je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. Bon, déjà, j'aime beaucoup le résumé. Je trouve que c'est beau, c'est élégant. C'est touchant. Voilà. C'est vrai que, pardon, Kérosène, j'avais pas lu le résumé. Ouais, c'est ça en fait, c'est des gens qui se croisent à une station service. Bon, on joue quand même des trucs un peu bizarres, puisque je cite, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros humeur noir. Voilà. Bref. Donc, bah écoutez, ce deuxième livre, je ne connais pas du tout. Je vais voir quand est-ce que je vais le lire. Voilà, la couverture est assez sympa, je vous la montre de plus près, c'est vraiment un peu. Enfin, très peinture, quoi, un poil caricature, enfin voilà, sympa. Et le dernier, c'est un livre de Jean-Baptiste Andréa, même chose, qui était là et que j'ai pas pu aborder parce qu'il discutait avec pas mal de personnes, donc je voulais pas l'embêter. Des diables et des saints, alors que lui, j'avais lu, c'est sur en fait une bande de gamins dans un orphelinat. Et j'avais trop aimé. Franchement, c'était hyper touchant, tout en étant ultra triste et assez drôle en fait. Donc, ouais, une vraie belle lecture. Également, je voulais vous parler du coup de ma lecture de Conversation entre amis. Donc de ce petit poche qui fait quand même quasiment 350 pages, publié chez les éditions Point, que j'avais acheté du coup avant la grève de train. Non, le jour de la grève de train, parce que j'étais partie en catastrophe la veille. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait, l'histoire est somme toute assez classique. On est, c'est l'histoire de relations entre quatre personnes. On peut dire un peu un quadrilatère amoureux. Voilà. Et les personnages principaux, ce sont deux filles, puisqu'on a trois en fait, qui ont été elles-mêmes en couple à un moment donné, qui ne le sont plus, qui sont désormais très amies. Et qui ont une passion pour tout ce qui est, surtout l'une en fait, surtout ce qui est pour tout ce qui est littérature et performance littéraire, c'est-à-dire qu'elle déclame les poèmes qu'a écrit l'une, sachant que la poétesse estime que c'est sa copine du coup qui les déclame le mieux. Enfin, ouais, bref, j'ai beaucoup aimé déjà cet aspect-là parce que je trouve que ça respire la Grande-Bretagne, quoi. Je veux dire. Je sais pas, j'imagine beaucoup plus facilement ça en Grande-Bretagne qu'en France, alors que je sais que ça existe, puisque je suis notamment le bouquin littéraire qui, elle, voilà, lit également ses poèmes à voix haute. Mais voilà, je sais pas, je trouvais que le décor du livre, ça respirait vraiment la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, moi j'ai adoré ce livre. Pourquoi ? Déjà, il était ultra bien fait. Il est écrit d'une manière, en fait, qu'on retrouve que dans la littérature anglo-saxonne, je trouve. Je trouve qu'en France, on n'écrit pas comme ça, et c'est ce que disait également Loli Lolette quand elle a fait un post sur ce livre. C'est que, enfin voilà, c'est pas un style, nous on sait pas écrire comme ça en France en fait, c'est... Voilà. Alors peut-être qu'il y a des petits auteurs, des pépites hein, qui se cachent et qui ont ce style, mais moi en tout cas, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs que dans la littérature anglo-saxonne. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre en fait, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est quasiment un livre sur ce sentiment qu'on a. Vous savez, quand on est dans une soirée, qu'on est en train de parler à quelqu'un, et d'un coup, c'est un peu comme si on se dédoublait et on se voit faire, on se voit parler à la personne. Et pendant qu'on continue à agir vraiment normalement, il y a l'autre partie de nous qui se met à se poser des questions sur la vie, qui prend pleinement conscience de où on est, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était sur ce sentiment. C'est difficile à expliquer, mais écoutez, c'est une sensation que j'ai eue dès les premières pages et qui ne m'a pas quittée depuis. Voilà. Donc, vraiment un gros coup de cœur parce que moi j'adore ces livres en fait qui.
bah, qui ont comme, enfin, qui nous font, enfin, qui provoquent des choses comme ça, qui sont difficiles à expliquer, et en fait qui paraissent tellement claires quand on les lit, quoi. Et pour autant, enfin voilà, le personnage principal ne parle pas de ce sentiment, en fait. C'est juste moi qui l'ai eu en le lisant, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vit sa vie, qui va aussi en même temps se poser des questions sur elle, etc. Et là où je trouve que c'est différent de la littérature française, dont je suis une grande fan, vous le savez, c'est que là, c'est réfléchi, mais c'est pas intellectualisé à l'extrême, quoi. Enfin, c'est un peu comme des pensées jetées, voilà, des pensées, voilà, couchées sur le papier et jetées comme ça. Enfin, vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre, je vous le conseille vivement. Du coup j'ai très hâte de lire Normal People. Je ne l'ai pas acheté, mais je pense que si je vais le recroiser en librairie, je le prendrai. Voilà. Est-ce que je peux dire aussi de l'ambiance, c'est que ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez je sais pas, c'est, j'arrive pas à retrouver le mot, mais c'est assez souple, c'est un peu en fait j'ai envie de dire langoureux, mais sans le côté séduction sexuelle, enfin. Je sais pas décrire cette ambiance-là, mais elle est vraiment particulière. Donc vraiment, lisez-le. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez partagé cet avis ou pas. Voilà. Bon, c'est sur ce que je vais conclure mon petit vlog. Comme ça, je vous le montre vite fait et il est en ligne dans quelques instants. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à vous abonner. C'est vrai qu'en tant que... bah voilà, passionnés qui partageons notre lecture, c'est toujours ultra encourageant de voir des gens qui aiment et qui nous encouragent comme ça. Et voilà, et je vous dis, bah, rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon week-end, une belle semaine. À bientôt.